Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de The Hallway Run. Je le dirais super mal, toujours comme ça. Alors, la dernière fois on avait fait, je sais plus quoi, on avait fait le... J'ai le souvenir du train. Ah oui, on avait arrêté le... On avait attrapé le chat. On avait fait exploser une planète. On avait fait le train. Et on était monté sur une tour. Je m'en rappelle. Il y avait un ascenseur qui faisait une sorte de grande tour de verre où on, je sais plus, on devait aller là-haut. Ah oui, on doit piquer un truc. Alors, je vais essayer de reprendre. Allez. Et suite à mort, mais concentre-toi. Hein. Oui, je suis désolé. Il semblerait juste que je ne sois pas... Retourne à ton vaisseau et retourne d'où tu viens. Tu voulais me parler du plan? Je suis content d'avoir attiré ton attention. Tout d'abord, Glitch est du genre à se tailler en vitesse si on ne peut pas lui faire pas un continu. Deuxièmement, Glitch utilise des systèmes de sécurité complexes et on doit se séparer pour ouvrir mutuellement les portes. Et troisièmement, j'espère que tu n'as pas le vertige. Non. Merveilleux. Regardez comment c'est beau. C'est magnifique. Déjà, ils me font plaisir, ils me mettent un coffre. Et je suis mort. On recommence. J'ai pas vu où je dois aller en fait. Ça, j'ai vu. Là, je vois pas. Ah ouais. J'ai besoin de ton aide, va vers le haut. Mais d'abord. D'abord la moula. C'est moi, j'ai fait bas, j'ai glissé. Je l'ai pas mis sur ma soundboard, mais sinon j'ai le... J'ai glissé, chef. Allez. J'ai besoin de toi... j'ai besoin de ton aide, va vers le haut. Je sens là. Doit se débarrasser de ses gardes en même temps. Prends celui de droite. Et ouvrir la porte du bas. Ok. Elle m'a même pas laissé le temps de m'accrocher, mais bon. Alors, c'est parti. Oui, ah bah ça c'était. Ça va, ça j'ai pas oublié. Attends, je vais te lancer une échelle. Ok.
Ok. Waouh. Ok. Bon sang. Ah, oula. Tout va bien face à l'arme. Ouais, bah j'ai vu un mec tomber quand même. Bon, j'ai un problème. Je me concentre sur la tâche. Vers le haut plus vite. Pourquoi je peux aller par là? Non, je peux pas aller par là. Non mais... C'était du fake. C'était un faux truc. Non, y a pas l'air d'avoir un truc en bas. Ah, purée. Purée de pommes de terre. Bon, déjà, là... Bah j'ai bien fait. J'ai bien fait d'y aller. Ah je suis tombé, j'ai pas eu le réflexe d'appuyer sur le bouton. J'espère que je dois pas aller rechercher le... Le coffre? Non, c'est bon. Ils l'ont gardé. Ça va, ils sont pas chiens là-dessus.
refaire descendre l'écran. Ah oui, j'aurais pu sauter au-dessus, ouais, non mais... Oula. D'accord, que se passe-t-il ici? Glitch organise une fête. On doit savoir où est notre artefact. Alors que ça... je un œil. Pardon. Peu importe ce que c'est, ce qui compte, c'est que ça, aucun d'entre nous ne tiendra ce qu'il veut dans la combinaison. Le vrai chaos commence. Encore deux secondes. Seront dans ma poche. Bon, voilà comment Glitch travaille, propose professionnel, propre professionnel. On t'aurait dû. Quoi? Ils ont passé la moitié de la nuit à courir après mon hologramme des amateurs. Espèce d'enfoiré. Et alors, qui a dit que la combinaison était trop coriace pour mettre le voleur? D'accord, Glitch, arrête de parler et montre-nous le bijou. Le parleur, une conversation parallèle sur une chose spécifique. Où est-ce les amis, méfiance me brise le cœur. Hey! Cette fête est... Qu'est-ce que c'est, les flics, On a seulement besoin de Glitch. Vous avez volé de la mauvaise personne. Que tout le monde garde son calme. En chère sécurité, nous avons... nous allons nous en occuper. Pardon. Mauvaise réponse. Qu'est-ce que je dois faire? Excusez-moi, hein, j'ai rien compris. Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle bouge pas? Attends, je reprends là parce que... Yeah.
N'oublies-tu pas quelque chose? Petit glitch. Attends, c'est bugué ou quoi? N'oublie pas quelque chose, dit glitch. Il est là, mais je peux pas le. Il se passe rien. Et la porte ne s'ouvre pas. Merde! Je fais n'importe quoi. De toute façon, hop. Je reprends point de contrôle. Il y a un souci là, le jeu il a. Le jeu a un problème. As-tu quelque chose, dit glitch? Ouais, mais à chaque fois il me dit ça. Et lui il combat pas. Je vais recommencer le niveau, hein. J'ai rien compris. Il aurait bugué? Même en recommençant au point de contrôle? Ce serait bizarre. Bref. Toujours pas.
Voilà. Mais je suis... bête. Ça me paraissait bizarre. Glitch, je pouvais le taper tant que je voulais, il se passait rien. Fallait que je l'assomme. Sorry, my bad. Depuis le début, en fait, c'était ça. Je vais les retenir. Enfin, je vais dire si, ok. J'avais su que des personnes assez sérieuses seraient à mes trousses, je serais resté bien loin de vous. Voici donc votre propriété, je dois y aller, j'ai des choses à faire, au revoir. Mince. Pas sauter ni rien. Okay. Les gars, j'ai merdé. Que s'est-il passé, mon pote? Glitch est parti. Qu'est-ce qui a bien pu... Il m'a assommé avec un étourdisseur, je ne sais pas où il l'a caché. Ah, maintenant, plus aucun glitch sans cet artefact. Je l'ai, l'artefact. Attends, quoi? Est-ce que Glitch te l'a donné volontairement? Ouais, j'en dirai plus quand on sera en route vers la... Ok. Bah sorry, hein, my bad, c'était ma faute. Si tu le casses,
Je veux juste jeter un coup d'œil, ouais. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de tenir un artefact extraterrestre. Que se passe-t-il ici? Je suis juste curieux, mon pote. Je veux voir à quoi on a affaire avant de le ramener à la combinaison. Et comment tu t'en sors? Franchement, je suis déçu de moi-même, mon pote. Cette technologie est totalement nouvelle pour moi. En même temps, après 10 ans sur Rust, tes connaissances sont un peu dépassées. Non, ce n'est pas une nouvelle technologie. C'est plutôt le contraire. Ce n'est clairement pas la nôtre. La galaxie est pleine d'espèces différentes. Pas au point de ne pas pouvoir reconnaître au moins un petit quelque chose. Cette chose n'appartient à aucune d'elles. Bon, il se pourrait que prenne pas en approche davantage sans le casser. Et c'est là que les recherches s'arrêtent. Que tes recherches s'arrêtent, pardon. Excusez-moi, j'ai du mal quand je lis à haute voix. Vas-y, je te rattraperai, je dois y aller, je dois aller voir quelqu'un. Ils ont encore attaqué. Bon sang, cela fait la deuxième fois en un mois. Dostaillé. Attends. Sam, peux-tu apporter ce joujou à la combinaison? Je dois sortir un moment. Bien sûr, mon pote. Où vas-tu? Si j'ai bien compris, ton ami. Le temps presse, on te suit. Merde, dans quel truc je me suis fourré, moi? Je dois l'aider? Vous voulez pas l'aider? Quoi, il n'y a rien d'autre à faire? Qu'en est-il de ta grande mission? J'ai une minute de libre. Je ne crois pas que tu puisses tout gérer par toi-même cette fois-ci. Ah, ils sont plus nombreux que d'habitude. Alors, où va-t-on? Il y a une communauté de trois bras sur Gigapolis et elle est dirigée par Stan. Et ils sont constamment attaqués par des esclavagistes. L'Empire est déchu depuis longtemps, mais la demande pour les mutants créés pour miner les cristaux continue à grandir. Ils enlèvent notre peuple et les déportent dans des endroits inconnus. Dans un endroit inconnu, pardon. Ils portent tous une armure impériale d'anciens militaires, pardon. Ils ne laisseront filtrer aucune information. On est arrivé, faites attention. L'endroit m'est familier, bah, on est déjà venu une fois en même temps. Vous êtes en état d'arrestation. Eh, qu'est-ce que tu fais? Laisse-le partir. Cet homme est en état d'arrestation. Si tu interfères, on t'emmènera avec lui. Ça doit être une erreur. Ce n'est qu'un scientifique. Toute recherche sur Inferna est interdite par les 13e décrets des empereurs. Sous peine de mort. Quoi? C'est insensé. Dame, non. Quoi? Tu sais que ça ne sert à rien. Tu n'as donc pas entendu? Ils veulent le tuer. Dan, écoute. Écoute-moi, on doit être plus discret comme hier. Comme hier. Comme hier.
L'élu. Ah oui, c'est vrai que là tu me prends pour l'élu. L'élu nous a sauvés. Tu es déjà venu ici? Oui, je suis passé par ici une fois. Merci d'être venu nous aider. C'est tout? Les esclavagistes sont devenus encore plus effrontés ces derniers temps. Bon, ça a été vite pour les défoncer. Il n'y en avait pas beaucoup. Pourquoi la police, le gigapolice? Le tolérateur de la police n'a pas s'aventurer au niveau inférieur et elle ne se suit pas le moins, ok. J'ai essayé de débusquer les personnes responsables de tout ceci, mais ils sont trop bien organisés. C'est pour ça que tu as besoin de la combinaison? Oui, l'élu, c'est pour ça. Ne commence pas. Ah, je crois que c'était plus... Félicitations pour ton nouvel échec. C'est le deuxième criminel qui s'est avéré trop coriace pour toi, chasseur, je me trompe. Une erreur de plus et tu pourras faire une croix sur notre accord. Même si une mort certaine t'attendait, devrait arriver. Bref, allons droit au but. Prochaine cible. Bon sang. Si vous n'avez pas entendu parler d'eux, les spectros sont des formes de vie faites d'énergie avec ce que ça implique. Tu veux dire qu'on ne peut pas les tuer avec des armes ordinaires? Ce ne serait pas nécessaire, génie doit être capturé vivant. Pourquoi tu ne nous rends pas la vie plus facile, mon pote? Si je ne voulais pas vous faciliter les choses, je n'aurais pas préparé ce piège électromagnétique pour vous. Capturez génie à l'intérieur, apportez-le moi et votre travail pour moi sera terminé. Vous le trouverez sur Charade. Il a passé les 10 dernières années à diriger une petite secte de technomages sur Cœur d'Ange. Vous n'aurez aucun problème avec la loi. Il a détruit plusieurs expéditions scientifiques là-bas. On retourne sur Charade ? Juste aller au magasin d'abord, je crois que j'y ai vu de nouveaux jouets. Papy ! Alors ? J'ai acheté, j'ai pas vu. Cette mise à jour du logiciel de combinaison ajoute la possibilité de tuer instantanément tous les ennemis en vue lorsque la barre de rage est pleine. Quelle barre? Ah! La barre se remplit au fur et à mesure que vous infligez des coups aux ennemis. Appuyez sur R pour tuer les ennemis à l'écran. Ok. Je suis un peu déçu parce que j'ai claqué tout mon pognon. Alors je sais pas ça que je voulais faire. Ça c'est quoi? Ça c'est mon harpon. Ça c'est le harpon, tu prends les gens. Ça c'est le harpon de... comme ça, ouais. Ça j'ai déjà. Garder les sous. Allez, on est parti. Go sur Charade. Aiden, je détecte une étrange anomalie. Une augmentation de la fragmentation de l'espace-temps. Cela peut être dangereux en raison de la probabilité de spontanéité. Waouh, qu'est-ce que c'était que ça? Micro-téléportation et amnésie. Je recommande de quitter cet endroit dès que possible.
Jonathan, tire-nous d'ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? C'est quoi ce bruit là-bas? Bonsoir. Et tu es... J'ai une offre alléchante pour vous. Quoi? C'est une relique rare de la période impériale. IGRM 700 Bulldog, un shootgun tir triple, et un chargeur magnétique, et un revêtement en cristal. Mais qui es-tu au juste? Je suis un humble marchand d'outre-monde. Vous êtes incroyablement chanceux de m'avoir rencontré. Eden, la source de Nolomi, est à l'intérieur de notre invité. Merci, Jonathan, j'avais compris. D'accord, humble marchand. Combien demandez-vous pour votre relique? Il y a une remise de 75% applicable uniquement maintenant et uniquement pour vous. Le prix est de 999. C'est tout? Où est le piège? Un appât, c'est une bonne affaire. Ok, voici 999 crédits. Ok, non, mais entendu, c'est de ma faute. Je parle d'argent véritable. Comprenez-vous ce que je veux dire, joueur? De l'argent réel. Oh, de l'argent réel, oui. Oh, je comprends. Non. Tu peux la fermer, il y a des gens qui essaient de dormir ici. Pourquoi fais-tu tout ce vacarme, mon pote? Tout va bien, je ne fais qu'examiner ces armes. Mes excuses, mais vous avez violé la réglementation commerciale interdimensionnelle et vous devez rendre l'article. Encore un autre, vous êtes venu à combien? Très bien, prends-le, ça ne fonctionne pas de toute façon. C'est impossible. Elle ne devrait devenir inutile que dans quelques semaines. Tu vois, tu n'as simplement pas retiré la sécurité. Merci. Une des choses incroyables. Pour zéro crédit seulement. Utiliser le fusil à pompe, la percussion multiple avec un récepteur magnétique et un plaquage de cristal, ouais. Passer du pistolet à fusil à pompe en tenue d'endroit. D'accord. Bah, on a eu un fusil à pompe. C'était marrant le côté. Le mec qui vient et tout, ouais, machin. 999, boum, buté, et après l'autre qui arrive. Ah, ok. Tu n'as probablement jamais rencontré le spectral auparavant, alors voici quelques mots à leur sujet avant de partir. Ce sont des enfoirés hostiles et très radioactifs. Heureusement, ils portent généralement des combinaisons de protection, pour que ce soit plus pour protéger les autres que pour se protéger eux-mêmes. Mais il est encore trop tôt pour se réjouir. Tant que Génie portera cette combinaison, le piège sera inutile. Donc tu dois le mettre suffisamment en colère pour qu'il retire la combinaison. Il ne fera que s'il n'a pas connaissance de l'existence du piège. Alors l'un de vous devra attendre en embuscade avec le piège pendant que l'autre jouera le rôle de l'appât. Comme c'est pour l'appât. Et toi, chère sœur, tu pourras t'occuper du piège et essayer de ne pas te faire de bruit. Et la demoiselle, tu en as déjà entendu parler? Et la démocratie, n'importe quoi. Deux voix contre une. Il porte une armure, lui au moins. De toute façon, j'ai pas de balle de pompe, alors qu'est-ce qui vient de me faire chier? Attendez. Bah, je me suis arrêté juste bien. C'est magnifique.
Qu'est-ce que c'est que ce truc? Le cœur d'ange, mais personne ne sait ce que c'est. Mais ils sont tous d'accord pour dire. Et où peut bien être probablement au sommet. Ils sont toujours au sommet. On se revoit là-bas. Je vais prendre la moitié éloignée. J'ai pas compris, mais où? J'ai vu deux coffres, ça me donne envie d'y aller. Rien d'autre, continue.
pas grave. Je sais pas, j'ai fait haut pour descendre, il a pas voulu descendre, alors je sais pas. Pourquoi il veut pas descendre? C'est peut-être pour la fin, c'est peut-être pour la fin, je vais revenir ici, je sais pas. Ouais, je me suis suicidé parce qu'il voulait pas attraper, donc autant que je recommence pour m'accrocher là. Ah mais je suis... Ah j'ai cru que je pouvais m'accrocher dessus. Je suis débile. Putain, j'ai un peu froid, merde. Attendez, je regarde un truc vite fait. Redésolé, hop. Je sais pas, je sais pas. Je sais pas comment ça se fait, je sais pas si mon chauffage est allumé ou pas. J'ai appuyé sur le bouton, on verra bien. Si, il est tombé, merde. C'est pas grave. Mais non! Ça a l'air d'être par là. Ah oui, je me disais aussi. Ah, une nouvelle barre.
peux rouler. Parti trop tôt. Non, c'est pas possible. Pas l'autre, hein. Alors ah oh, c'est une échelle en fait que... Es-tu prêt à énerver l'un des espèces extraterrestres les plus... Non, j'ai un bloc-notes. Plein de blagues sur moi. Oh, tu es venu bien préparé cette fois. Je pense que quelques-unes devraient suffire. Testerai le reste sur Sam. Bon, je vais me mettre en position. Le mec fait des blagues, quoi. Comme des insectes, j'ai demandé qu'il n'y ait pas de... Ok, c'est Kojimi. Un surnom humain. Sais-tu seulement à quel point mes recherches sont importantes? La technologie évolue. Tout est en mouvement, tout change. C'est comme si le vieux maître était revenu. Eh bien, cela signifie qu'on n'a plus besoin de tout ici. Il avait trop tiré, quoi. Quand la laisse, tu es en état d'arrestation, tu vas venir avec moi. Un imbécile humain, tu vas mourir. Dans les dialogues, ils sont pas. Mon pote, essaie de ne pas mourir avant qu'il n'enlève la combinaison. Ah, merci. J'ai pas compris comment on esquive son missile, son missile, son laser.
Oh non, pitié, pas toute la conversation. Quoi? Je me touche au moment. Là oui. Ah merde. Nouvelle phase, j'ai pas fait gaffe. Oh bordel. Oh fais chier, je suis même pas gaffe. Je suis pas concentré. Son laser, je crois que j'ai tout, j'ai compris.
Meurs, meurs, meurs. Az, maintenant. Je l'ai eu. C'est ton tour de porter cette chose. On se revoit dans le vaisseau. Vous pouvez pas voir l'ascenseur depuis le début ? Allez, descend. Allez, on continue. Merde, j'ai fait le con. J'ai préféré me suicider. J'étais obligé, là, je l'ai laissé là-haut. J'ai sauté, c'est pour ça. Je peux plus aller le chercher. Ah non, c'est fini, on peut plus aller le chercher. Oh non, fais chier, bordel de merde. Oh non, c'est dégueulasse. C'est quoi ce jeu? Il n'y a pas de sauvegarde rapide. Attendez, je vais regarder s'il n'y a pas une sauvegarde rapide ou un truc. Charger.
Non. Putain, ça m'a mis là. Je suis désolé. Je suis obligé de recommencer le niveau. Bordel de merde. Oh, c'est pas possible. Je suis déçu des mecs qui ont fait le jeu parce que... Bah là ils ont foiré. Pas prévoir ça. Franchement, c'est pas cool. Là, je me suis fait violer.
trop tôt, vous pensez? J'essaye de faire au plus vite, hein. Mais putain, je vais pas rester coincé là. C'est moi, j'ai ralenti. Le mec, il est censé m'attaquer, il met 8 ans. Voilà.
pas si ça lui a fait quelque chose. Quand je lis, je saute plus parce que bien. J'ai failli tomber. Franchement, au pire endroit ever. J'allais en haut des escaliers, je descends, le mec il dit bah ok, point de sauvegarde en bas des escaliers. Je peux plus remonter. Ah voilà pourquoi, voilà ça c'était prévu pour descendre, ok. Désolé de la gêne occasionnée, hein. Oh cette descente. Faut avoir les reins bien, bien accrochés. En fait, j'ai oublié de te remercier. Pour m'avoir aidé avec les esclavagistes. Quelque chose me dit que tu auras facilement pu t'en occuper sans moi. Ouais, mais c'était bien d'avoir un partenaire pour une fois. Surtout un trois bras qui n'est pas écrasé par toute cette oppression, j'imagine.
Alors tu devrais aller avec dans les secteurs frontaliers plus souvent. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Eh ben, l'un des trois bras que j'ai rencontré là-bas est devenu un chasseur de l'espace. T'imagines? Ah ben, c'est bien que j'y sois allé au moins une fois. Yo, salut, salut à tous ceux qui arrivent. Bien, vous avez respecté votre part du marché. C'est désormais mon tour. Commençons par toi, Az. Les esclavagistes n'ont rien à voir avec des commerçants. Ils kidnappent les trois bras pour la même raison que les impériaux avaient l'habitude de le faire. Pour extraire des cristaux à exsudation. Leur organisation compte trois figures importantes, tous sont d'anciens militaires impériaux. Ah ben voilà, ça explique cela. Au fait, vous devez vous demander pourquoi je voulais que vous travailliez ensemble. Vous allez le comprendre maintenant. Le premier individu est un vieil ami de votre Dodger. Le baron Généville. Il dirige les raids pour la capture des trois bras. Son centre d'opération est sur un dreadnought appelé la Gloire de l'Empereur. C'est dans un champ de débris issu de la quatrième guerre galactique. Le dreadnought a été gravement endommagé pendant le carnage, mais il a survécu, comme la plupart de son équipage. Tes amis ont déjà rencontré aussi la deuxième figure clé, le colonel Muller. Il entraîne les trois bras sur une base secrète appelée Scorch. Il pense que vous avez déjà des coordonnées. Enfin, ses coordonnées, pardon. J'avais mal à mon épaule. Et le troisième, roulement de tambour, hein? J'ai pas entendu. Quoi? Il est à la tête du business des trois bras. Il a servi parmi les maréchaux noirs de l'empereur. D'où son nom. Au cas où vous ne le saviez pas, le maréchal noir était les agents personnels de l'empereur. Les missions punitives, les coups d'État et les génocides de civilisations mineures sont pour eux des affaires courantes. Ce sont des individus très, très dangereux. Une petite équipe comme la tienne ne pourra jamais l'avoir. C'est du suicide. Ton maréchal noir n'a pas quitté Infernal depuis quelques années. C'est une planète méconnue dans les secteurs extérieurs. J'ignorais qu'il y avait des planètes colonisées dans les secteurs extérieurs. Ça te surprendrait. L'Empire a classifié toutes les informations sur Inferna à cause de l'énorme filon de cristal. Mais je vais te donner les coordonnées, d'accord? J'ai les coordonnées. Waouh, je vois que tu es plein de surprises. J'ai quelques autres atouts dans ma manche. Où exactement sur Infernal peut-on trouver le maréchal noir? À un endroit connu sous le nom de Grand Mur des Reliques. C'est une gigantesque structure construite par une civilisation inconnue. Elle encercle les filons de cristaux. Elle est visible depuis l'orbite, impossible de se planter. Il y a aussi autre chose que vous devriez savoir à propos du mur. Il interfère avec tous les équipements complexes. Alors atterrissez assez loin que possible si vous voulez pas vous cracher. C'est tout ce que j'ai, bonne chance. Merde, ma douleur me reprend. Alors nos objectifs ultimes sont les mêmes. On dirait bien. Et il s'avère que tu m'as conduit jusqu'au maréchal noir comme promis. On dirait bien. Je me souviens de notre accord, Sam. Que dois-je faire du baron? J'ai assez vu de sang, mon pote. Livre cet enfoiré à la police. Mais d'abord, je veux que ce bâtard sache qu'on arrive. Alors, allons choper les deux autres, d'accord? D'accord avec ça, Az. Honnêtement, je commencerai par le chef.
par le maréchal. Oui, il faut couper la tête pour affaiblir le corps. La combinaison a dit qu'il était dangereux. Je veux te retirer. Je veux être sûr que je ne laisserai tomber personne. Et m'entraîner. Sur Müller ? Oui, je suis allé voir chez lui il y a pas longtemps. Et je l'ai vu entraîner les trois bras. Ils sont combien ? J'en sais rien, peut-être des centaines. Je ne vois aucun inconvénient. Commençons par Müller, puisque vous connaissez. Ouais, on s'est pas quitté en très bon terme la dernière fois. Ouais, il m'a mis une rouste. Attends, sur le vaisseau, mon pote. J'arrive. Est-ce que je peux dépenser ma thunasse ? Fusil à pompe, balle de fusil à pompe, ok. Je vais garder ma thune pour le dernier sur la gauche, là, je sais pas c'est quoi. Que lui j'ai déjà. C'est pour mon double saut. À moins que c'est eux qui vont me le donner. Vu que là j'attendais qu'ils se débloquent et en fait ils me l'ont donné. Hein, hein. Ouais, bref, on verra bien. Mais... on va faire le plein. Et on est parti. Dans ton vaisseau. On y est. Sam m'a raconté à propos de la dernière rencontre avec Müller. Ouais, je n'aime pas l'admettre, mais Müller est bon. Je crois qu'on devrait refaire la même ruse. Pardon, que pour Jenny. Tu aimes juste me regarder me faire casser la gueule, c'est ça? Tout à fait. Je suis désolé, mais je vais devoir m'occuper de Müller moi-même. Pourquoi ? J'ai peur qu'il fasse quelque chose de désagréable à ses prisonniers s'il se sent menacé. Alors pendant que je le distrais, tu iras libérer les trois bras. Tu as vraiment réfléchi à tout ça, n'est-ce pas, l'élu ? Élu. Oui, je veux que les trois bras t'appellent élu, pas moi. Et pour cela, pour que cela se produise, nous devons atterrir juste devant leur porte. Je vais essayer d'attirer leur attention pendant que tu te rends en cellule sans te faire remarquer. Putain, ça ressemble à un plan. Comment j'atteins les cellules? Jonathan t'enverra les plans de la base. Je vais modifier tes bottes. Pour que tu ne te fasses pas autant casser la gueule, mon pote. Et scellez quand on sera arrivé. Ah bah voilà, ils m'ont débloqué le dernier truc que j'avais dit. Ils m'avaient filé les bottes pour le double saut. Enfin pour le... ouais, une sorte de double saut. Et là, ils vont me filer des bottes pour... triple saut ? Arcturus 7. Oaz, tenons-nous-en au plan. Je vais faire du bruit, puis tu entreras discrètement dans la base. J'espère que nous mettrons... enfin, bref, attends, j'ai amélioré tes bottes comme promis. Müller ne pourra pas t'attraper dans les airs. C'est là dehors, cette... alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Permet d'effectuer un dash horizontal en l'air. Appuie sur B en sautant ou en tombant pour sauter. Quoi ? Appuie sur B pour vous propulser alors que vous êtes dans les airs. D'accord.
Oh, c'est cool si je suis trop court. Ah merde. Dernier essai. Et boum, dans ta gueule. Allez. Je suis quand même balèze. Et j'ai pas le timing. Ah pareil, la planète est magnifique. Oh là là. Eh Müller, j'ai décidé d'accepter ton offre. Oh, tu vas devenir mon nouveau jouet préféré. Aiden! Wouhou! Ouch! Ah, bah ça, j'avais pas vu. Bon, bah on l'a refait en couleur. Il n'a pas fait son deuxième, il n'a pas fait son second saut. La glissade compterait pas. Oh non. Putain, je me ralentis exprès pour pas me prendre le truc et. Le deuxième saut instantanément. Enfin, c'est même pas le deuxième saut, c'est le. Pourquoi il fait ça? J'aurais un souci dans mes. J'ai fait ça. C'est bon, normalement ils m'ont validé ici. Vous pouvez sauter à nouveau après une ruée aérienne. Ah merde, c'était pas tri. Ah, c'était pas Y, c'était B. De toute façon, je...
Ah oui, c'était peut-être pour ça. Oh merde! Alors? Oh, mais c'est pas possible! Là, clairement, j'ai envie de m'énerver. Ah bah voilà! Allez! Bon, tu montes? C'est pas possible. Non. Non, 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 non. Rappuie sur le même bouton. Sinon, ça ne marchera pas. C'est tac, tac, tac. Ah, voilà. Nouvelle mécanique, c'est génial. Allez, voilà, on est arrivé dans la base, enfin on va pouvoir buter des mecs. C'est pas possible, les mecs ils maintenant ils te mettent des pointes. Ah oui, d'accord, c'est d'accord. Bah cool, comme ça j'ai ma santé maximale. Hop. Un poil de cul. Ça va, ce qui est bien, c'est que sur les poutres, il est assez vif. Ok, mais là... Ok. C'est gentil. Mais c'est bizarre. Ah non, ils m'ont filé la carte, d'accord. J'aurais pu récupérer sur un mec. Hein. Ça
Ça, c'est de la remontée mécanique. Même pas. Ah, je pensais avoir fait assez de bruit, tu peux y aller. Compris. Alors, on va explorer par là. Y a rien. La thune, carte jaune. Shit.
Ouais. Mumble. Tac. J'ai activé. J'ai activé ça. D'accord. Oh. Ah, je viens. Ah oui, et ça ouvre là-haut, d'accord. Qu'est-ce qu'il me donnait ? Pochette Steam Pack. Ajoute un emplacement de Steam Pack. Oh bah. C'est sympa, mais. Steam Pack, là, j'en ai plus. Que je suis con. Et là c'est le boss. Ah, je me suis laissé mourir, mais j'espère qu'il faut pas me remettre dans le boss. Oh mais non, j'ai loupé encore, il y avait toute une partie à droite. Oh, fait chier, ça me saoule ça. J'ai pas compris le pattern encore, donc .
Mais il tape trop fort! Mais le mec, non mais je vais jamais pouvoir le... Ah, quoique il faut peut-être que... Ah oui, d'accord, j'ai compris, il faut peut-être que je baisse sa barre jaune en fait. Mais non, je peux pas rager. Si je rage, je ne pourrai pas trouver son pattern et je ne serai plus objectif. Alors, j'ai toujours pas compris comment le battre et bah, je pense que je le battrai jamais vu ma vie. Ouais, c'est ça, c'est un boss de l'usure. En gros, faut pas que je me fasse toucher, il faut que je... Pac, 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 je me casse. Pac, 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 je me casse. T'as vu ce qu'il m'enlève ? Temps de rouler.
super, j'ai fait ça trop tôt, je l'ai fait trop tôt. Vas-y, il m'énerve là, Jean Matrix là. Putain, j'ai pas de technique, j'ai pas de technique pour le battre, c'est relou. Est-ce que je lui fais? Ça a pas l'air de le faire avancer. Et j'ai plus de vie, c'est ça qui me saoule. J'ai plus de steampunk. Je sais pas comment faire pour le défoncer, sa mère. Faut que je lui bute sa vie, mais je sais pas comment faire. Je peux plus remonter en fait là. Putain, ça me saoule ça. Je préférais les boss à Kojima. Et au moins, t'avais une façon de les battre. J'ai pas le temps de rouler. Faut que je roule pendant. Ouais, je ne sais pas. Oh non mais là, je me casse. Ah non mais... Ça me prie. Vous allez me dire, mais c'est facile, il n'y a que deux patterns, soit il t'attaque, soit il envoie son électricité de merde là. Je veux bien, mais... Le man, dès qu'il chope... Il n'y a pas une information de quand est-ce qu'il tape ou quoi que ce soit. Attends, t'es sérieux là? Il vient de me faire une esquive à la Wesker. J'ai halluciné ou il m'a fait une esquive à la Wesker là? Genre j'ai tiré dessus, genre je bouge ma tête. Ah non, 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 tu me touches pas.
Je sais même pas si je le touche. Ça, ça marche même pas, ça. Ok, je viens de comprendre. Les balles, ça lui fait rien. Longtemps, j'ai été trop gourmand. Je connais le kung fu. Gourmand. Patience, patience, mon bon ami. Les prisonniers sont en sécurité, Eden, tu as besoin d'aide? Non, j'ai terminé, viens me chercher sur le toit. Je prends ça, on sait jamais. Ramasser la livraison en main propre récompense 10 000. 9, non, vas-y, on... Je le transporte, ça me fera plaisir. Ouais, je suis mort comme une merde, ouais. Après avoir tué un boss, ouais. La 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 la. Bang.
Tu vois, j'ai pas besoin de rager là, tout de suite. La patience. Sur lui puisque c'est juste un mec qui défend. C'est tout ce que tu as réussi à sauver. Il y avait plusieurs vaisseaux de transport dans les hangars. La plupart des prisonniers les utiliseront. Yeah. Là. Comment se portent nos invités? Ils se remettent comme tu le vois. Alors c'est lui? Ouais, lui-même. Maintenant je peux le voir, oui. La prophétie se réalise. L'élu nous a finalement trouvés. C'est quoi ce bordel, Az? Je croyais qu'on avait clos ce sujet. J'ai rien à voir avec ça. Enfin, presque rien. Je suis désolé, mais j'ai bien peur de ne pouvoir être votre messie. Les mots d'un véritable messie. Je viens de dire que je pouvais pas. T'aimes pas être le héros? Vous me prenez pour quelqu'un d'autre. Les actions sur lesquelles ils te jugent semblent être les tiennes, pas celles d'un autre. Ça ne t'énerve pas que tu aies fait bien plus pour eux et qu'ils me prennent pour le messie? Qui a dit qu'il n'y avait qu'un seul messie dans notre prophétie? Ouais, genre. J'ai aussi mon rôle à jouer. Et c'est quoi? Trouve toi-même si ça t'intéresse. Tout ce que je peux dire, c'est que pour le moment, tout colle. On s'est arrêté en espace, rien pour ça. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Non, il n'y a rien. Ah si, qu'est-ce qui s'est passé ici? Je n'avais encore jamais vu un tel massacre. Jonathan, sais-tu quelque chose à ce sujet? Un instant. Waouh! Les infos sur le net débordent d'informations sur des technomages fous. Et ça se passe dans toute la galaxie. Qu'est-ce qui les a contrariés à ce point? Parce qu'à présent, les informations sont plutôt chaotiques. Il semblerait que tous ces sectaires aient craqué au même moment, qui a pris des trucs très dangereux et qu'ils soient sortis de leur grotte. Je ne connaissais même pas l'existence des technomages il y a quelques semaines. Ouais, personne n'aurait pu prédire qu'ils représentaient une bombe à retardement. La police de Gigapolis semble s'être occupée pour le moment, et si j'étais toi, je me préparais à partir. D'accord, Az, Sam, je vais partir en reconnaissance, ne quitte pas le vaisseau. J'embarque l'autre con? Faut que je le dépose? Ouais, voilà. Allez, à plus dans le bus. J'ai débloqué ça. Le truc pour dasher là. Donc normalement j'ai tout débloqué. On va reprendre des balles. Des balles pour le fusil, on sait jamais. Et puis
Quoi? Histoire de tout acheter, on va faire ça. Ah ouais, quand même. Monsieur, lâchez votre arme immédiatement. C'est bon, je suis un chasseur de l'espace, besoin d'aide. Un chasseur, voilà une bonne nouvelle. La situation est sous contrôle ici, mais il se passe quelque chose au niveau inférieur. En fait, acceptez-vous toujours les corps de des criminels? Oui, tout fonctionne normalement. Hayden, je t'écoute, Jonathan. Je pense avoir un problème. De quoi s'agit-il? Tu te souviens que je t'ai dit que les technomages avaient semé la zizanie dans toute la galaxie? Ouais. Jonathan? Je ne t'entends plus. Jonathan, réponds-moi. Bon sang, tiens bon, on arrive. Voilà, 10 000. C'est bon, je peux retourner chez moi. Ah oui, et puis je peux faire ça aussi. Hop. Hop. Et comme ça, j'ai tout acheté. Si je regarde bien, bim bam boum, bim bam boum. Bim bam boum. Ouais, ça j'avais pas besoin de les... Je pouvais les acheter, mais je pouvais les... Ah non, j'en ai encore un là-haut. Tac. Voilà. J'ai tout acheté, j'ai pas eu de succès Steam. Déçu. Mais bon. Au moins j'ai tout acheté. Il s'est passé quelque chose? Oui. On doit se rendre immédiatement à la station de Tar. On part sur le champ. Ok. Bah go Tar. On est à peine arrivé, j'ai déposé le corps, on est reparti. Pourquoi toutes ces, précipitations pour se rendre à la station de Tar, mon pote? Tu n'es pas au courant? Te rappelles-tu de ces technomages agaçants au cœur d'ange? Ouais, j'en avais encore jamais vu des comme ça. Et bien maintenant, ces gosses se déchaînent dans toute la galaxie. Alors, ce qui s'est passé sur Gigapolis était de leur faute? Oui. Que leur est-il arrivé? Aucune idée. Mais ils semblent menacer notre ami commun. Je sais plus, c'est Outar. Outar. Ah oui, c'est ça! C'est la première. C'est la station! Garde le vaisseau, je serai bientôt de retour. Eh oui, c'est là, c'est le premier truc du début. Quoi? Tu m'attaques toi? Complètement con. T'avais pas vu? C'est vrai qu'ici je suis jamais allé. Enfin, c'est toujours fermé donc je peux pas y aller. Mais... Bon, ça veut dire qu'il est en bout de piste. Ouais, non, mais c'est parce que comment on appelle ça? Je viens de débloquer un nouveau pouvoir et je savais pas comment on s'en sert. Mais maintenant je sais. C'est avec la gâchette de derrière. Ah merde.
d'accord, ouais, j'ai compris. J'ai compris, j'ai compris. J'ai compris, monsieur dame. C'est... Il faut pas que j'utilise mon grappin de merde. Je le savais que je voulais pas l'acheter en plus. Je me suis dit que ça me servirait à rien. J'ai un gun, je vais les gunner. Prévu que je puisse monter là. Alors, Dieu merci, c'est un chasseur. Il va faire payer ses cultistes. Je peux sortir. Je reste ici pour le moment au cas où je n'ai pas encore tout vérifié. Ok, on est parti. Ouf, tu vas bien, je pensais que je n'y arriverais jamais à temps. C'est Jonathan! Aiden, c'est toi? À ton avis, t'as disparu et je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. Ouais, les technomages ont réussi à brouiller la connexion. À en juger par le fait qu'elle fonctionne à nouveau, je suppose que tu t'es occupé d'eux. Tout à fait. Que voulait-il? D'où venait-il? J'en sais rien, il y a toujours eu une petite communauté ici, mais elle était pacifique. Et puis en une seconde, tout le monde est devenu fou, comme si c'était une sur commande. J'ai regardé les enregistrements de la caméra, c'est comme si quelqu'un avait pris leur contrôle. Ils ont commencé à, sans aucune vergogne, détruire tout ce qu'ils pouvaient et à tuer tous ceux qu'ils croisaient. Bref, que le diable les emporte puisque nous sommes là. Laisse-moi te présenter à l'équipage. Ah, Sam, la station est dégagée, venez me retrouver. C'est ton ami? Oui, c'est Jonathan. Az est aussi là? Eh bien, ouais. Attends, quoi? Tu n'es pas une IA? Non, pourquoi tu penses ça? C'est bien de finalement te rencontrer en personne, mon pote. En fait, je voulais te demander à propos de cette histoire de technomage, sans aucun intérêt technique évidemment. On ne peut pas discuter des choses aussi subtiles avec ces voyous. Par la hase, écouter d'avant des bavardages ennuyeux sur la technologie. Ah, sur la technomagie, ça. Je ne suis pas un expert et je ne sais pas ce que c'est que la technomagie, mais les sectaires croient que cette technologie est contrôlée via des neuro-interfaces intégrées. Et en juger par ce que nous avons vu, si cette interface neurale existe réellement, mais elle semble fonctionner dans les deux sens. Tous ceux qui ont essayé de s'y connecter ont maintenant le cerveau en compote des capacités technologiques. Est-ce une sorte de système de sécurité interne? Étant donné les capacités de cette technologie, on aurait... J'ai rien compris. La vraie question, c'est pourquoi maintenant? Après tout, ces sectaires ont essayé de se connecter à la technomagie pendant des décennies. Alors c'est quoi le plan?
dépenser tout le pognon et faire un coucou au maréchal noir. Tu crois que t'es prêt? À en juger par ce que dit la combinaison, il est plus dangereux que ce que nous pensons. Je ne serai pas plus près que je ne le suis, ouais. Et Inferno, la planète dont vous parliez, ouais. Alors quand vas-tu me dire ce que ce Marshall Mort a fait, mon pote? Promis, je dirai tout une fois qu'il sera mort, Sam. Même comment je peux voir dans ce casque, et tu me montreras ton gros œil de mouche. Ce sera la première chose que je ferai. Bon, j'ai plus rien à acheter. Bim. Quoique. Je vais racheter des balles. Voilà. C'est pas ici. C'est là. J'étais venu ici, il y avait un mec. Bon, on peut pas passer. D'accord, il y avait un mec et il m'a dit reviens quand... Je sais plus quoi. Bon, on y va alors. Je regarde l'heure ou je regarde de l'autre côté. Le film est préparé pour le taf, bon week-end, mec et mercredi. Ouais, ok, à très bientôt. Oh, le mec il joue à trois bras. Impossible de dormir. Ouais, j'ai pensé à un de mes amis. Je pense qu'il te plaira. Tu veux partager quand tout sera fini. C'est pour ça que tu es là, à cause de lui. Je sais plus. Mais on peut dire que c'est lui qui m'a conduit ici, oui. De gros doutes avant un combat important, surtout avec un ennemi comme le maréchal. Ce ne sont pas des doutes. C'est juste que au début, je ne pensais pas qu'il y aurait autre chose. Une autre raison de se battre? Quelque chose comme ça. Ce que je voulais dire, c'est que... Une épreuve t'attend. Je ne m'attends pas à ce que ce soit un combat facile. Ce n'est pas ce que je voulais dire. La prophétie se réalise en effet. Et je ne sais pas si je comprends comment tout cela se termine. Mort, renaissance, je n'aime pas trop tout ça. Je ne pensais pas que tu le pensais si... que tu le prenais si au sérieux. Au début, non. T'inquiète pas pour ça. Il y a quelque chose que tu ne sais pas sur moi. Fais-moi confiance. Il n'y aura aucune chance que je puisse être le héros de cette prophétie. Oui, mais je suis aussi le héros de cette prophétie. Il est dit que je décide qui sera l'élu. Alors c'est simple, choisis quelqu'un d'autre. J'ai peur que ce ne soit plus aussi simple. Bon allez, on va chercher le dernier gars, le maréchal noir. Dernière mission. Waouh, c'est magnifique. Inferna. Je l'aurais vu rouge et en feu. Aiden. Est-ce qu'il y a Jonathan? Az a débarqué dès que nous avons atterri. Bon sang. J'aurais dû le savoir qu'elle voulait le tuer elle-même. Par là.
Ouais, Inferno, j'aurais bien vu une... J'aurais bien vu une planète... Genre... Vous avez reçu... Ok. Étrange, il laisse généralement une pile de cadavres dans son sillage, mais l'alarme n'a même pas sonné. Non, elle laisse, pardon. Je crois qu'elle essaie de s'infiltrer pour atteindre le maréchal pendant que tu t'occupes des gardes. Et moi aussi, je veux m'infiltrer. Non. Comment on fait pour si c'est fermé? Ah bah du coup c'est ouvert là. Ah merde! À cause du mur! Tu fais n'importe quoi!
Pareil, je refais n'importe quoi. Alors, comment je vais passer? Réfléchissons. Comment je vais passer? Non, je peux pas passer. Je peux pas passer. Parce que quand je descends et que je remets un coup de truc, ça marche pas. C'est par là. Hein. Ah merde, je suis tombé. Il y a une échelle et tout, mais il y a une échelle au-dessus. Donc ça veut dire que, tac, faut que j'aille à droite, mais comment je fais pour aller à droite? Ah d'accord, d'accord, j'ai compris. Sens contraire. Ah là, c'est comme ça qu'il faut faire. Ah mais non. Oh, c'est pas possible d'être aussi con. Pourquoi j'ai fait bas? Comment on fait pour passer? Attends, je suis pas fou, il y a rien. Oh, putain. D'accord, je comprends mieux.
Non, y'a rien en bas. Oh, mais je fais n'importe quoi, ça m'énerve. J'aurais dû les taper au lieu d'attendre. Parce que en fait, dans les autres soldats que j'ai affrontés, le mec il te met un coup direct, donc ça fait bleu et il te met un coup. Que lui il fait tourner son bâton dans ses mains, après ça devient bleu et il te tape. Et donc j'attends ça. Voilà, vous voyez, il fait tourner et après il te tape. Et voilà. Vous savez quoi? Allez. On zigouille, j'en ai rien, je m'en bats les reins. D'accord, j'avais pas compris en fait. Je m'attendais à un deuxième anneau. Et quand j'ai vu l'échelle, c'était trop tard. Ah merde. Ah, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Putain, pardon. Je fais que des bêtises, hein.
Ah putain. J'ai re mal à mon épaule, ça m'énerve. J'ai fait n'importe quoi. Je le cache pas, hein, j'ai fait n'importe quoi. Ah d'accord, ouais. Donc c'est pas la barre... D'accord, c'est pas la barre... C'est pas la barre en bois, c'est le truc au-dessus. Oh non! J'ai appuyé avant de tomber, putain. Ah mais il y a quand même des morts en fait. Naz? Hayden? Tu es en vie? Oui, j'ai simplement voulu me reposer. Ouais, bah avec une blessure comme ça, va falloir te reposer une bonne semaine. C'est qu'une égratignure. Laisse-moi reprendre mon souffle. Et nous, Sam, t'es là? Je suis là mon pote, quoi de neuf? Az est blessé, j'ai besoin de toi pour l'aider à rejoindre le vaisseau. Hayden? La voie est dégagée, je t'envoie les coordonnées. Bien reçu, j'arrive. Non, je dois venir avec toi. Ouais, bah, t'aurais dû m'attendre sur le vaisseau. Tu peux pas y aller seul. Bien. Si tu peux sauter sur cette plateforme là-bas, on ira ensemble. Deal? Moi, bon sang, c'est pas juste. Désolé, mais tu peux pas m'aider dans cet état. Tout ira bien. Attends, Sam. Pas ça, j'aurais dû faire hop dash et sauter. Ah mais oui, mais j'ai vu qu'il y avait un mur. Voilà. Pourquoi j'ai sauté? C'était dash et saute, pas saute et dash. Oh mais je fais n'importe quoi, mais monsieur dame, ça va. Ah, en plus j'ai oublié d'aller chercher le coffre, donc ça tombe bien. Je dash et... Faut que je saute et dash? Vous pensez? Non. Lâche. Lui, hein, quand il s'approche. Ouais, plutôt. Plutôt, faut que je le fasse. Voilà.
pourquoi je suis venu là, je sais plus. Ah ouais. J'ai appuyé. Oh non, c'est pas juste. Ça, c'est pas juste. Hein. Ciao bella. À chaque fois, il me donne des balles de pompe. Je devrais utiliser les balles de pompe en fait. Oh, ça, c'est méchant ça. Je sais pas ce qui s'est passé. Les rumeurs disaient donc vrai. Mais comment je t'ai regardé te faire exploser la tête en mille morceaux. La combine ici est terminée. L'esclavage est terminé. Tu es fini. Ah ah ah, une combine. Alors tu penses toujours que ce n'est qu'une combine. Laisse-moi te dire pourquoi j'avais vraiment besoin d'autant de trois bras. Tu essaies de gagner du temps. Je sais pourquoi l'Empire a créé les mutants.
débutant. Ou alors tu n'as pas découvert la vérité, Eden. Tu étais si près du but. Ce sera dommage de te tuer à nouveau sans te dire qui tu es vraiment. Parce que maintenant, je peux te regarder dans les yeux quand tu meurs en sachant que qui tu es vraiment. Des mutants élevés pour grimper dans les mines. J'ai toujours été étonné de voir comment quelqu'un pourrait croire de telles absurdités. Le troisième bras est plutôt gênant dans les espaces restreints. Qu'est-ce que tu veux dire? La vérité que tu as recherchée ici sur Inferna depuis si longtemps, la vérité que tu as menée à moi. Il y a longtemps de cela, une certaine race vivait dans la galaxie. Elle n'était en conflit avec personne et croyait que la préservation de toute vie était le but de son existence, tout comme sauver d'autres espèces intelligentes de l'extinction. Ils ont même créé une technologie très flexible à cette fin, une chose capable de s'adapter à des conditions différentes et d'obtenir une grande variété de résultats, afin d'aider toutes les formes de vie. Nous l'appelons aujourd'hui la technomagie. Et quel est le rapport avec tous ces mutants? Laisse-moi continuer. Un jour, cette race nous a rencontrés. Un empire étouffant sur ces planètes polluées. Ils nous ont donné des cristaux. Chaque cristal est une colonie de nanomachines autoréplicatives qui peut transformer une planète au point de la rendre méconnaissable. La nettoyer, la rendre habitable pour une espèce ou l'inhabitable pour une autre. Il faut simplement savoir comment contrôler les paramètres. Mais ils ne voulaient pas les partager, ces paramètres. Tout le système était exclusivement axé sur leur façon de penser. Il était dangereux pour un membre d'une autre race de simplement toucher l'un des cristaux. Qu'en est-il des mutants ? Oh, tu vas adorer cette partie. Cette magnifique race avait une vision du monde sans concept de guerre ou de violence. Enfin, peut-être que c'était le cas avant, mais l'abondance les a ramollis. Et puis l'empereur a élaboré un plan qui nous a pris que quelques jours pour capturer cette planète, tuer une grande partie de la population et de réduire le reste en esclavage. Mais il a fallu plusieurs générations pour effacer leur culture et les transformer en esclaves obéissants. Des esclaves qui pensent que leur troisième bras était destiné à travailler dans les mines. Ton espèce était la seule à pouvoir les toucher. Une espèce? Tu commences à comprendre. L'extraction de cristaux, la combine, comme tu dis, est un objectif trop insignifiant pour moi. J'ai passé de nombreuses années à dépenser des milliards de crédits pour terminer les recherches de l'empereur et pour trouver la clé de la technomagie. Ces stupides sectaires cherchaient des images et des sorts. Mais ils avaient juste besoin de penser comme un trois bras. Et maintenant, non seulement j'extrais des cristaux avec les mains de ton peuple, mais je contrôle aussi toute la technomagie de la galaxie avec vos âmes brisées. C'est le travail de Müller, soit dit en passant. Ça ne sera pas une tâche aisée de lui trouver un remplaçant. Mais ce n'est plus important. Le projet est presque terminé et mon armée de technomages fous a déjà mis à genoux la moitié de la galaxie. Un peu plus et ils accueilleront avec plaisir un nouvel empereur pour prendre le contrôle de la situation. Et toi, tu t'es trop longtemps accroché à cette vie.
fait. Non, ils m'ont enlevé mon troisième bras. Quoi? Je n'ai pas un trois bras. Qui es-tu? Bon sang, tu n'es même pas Aiden. Ah ah, alors Billy l'avait bien tué. Le pauvre garçon n'a jamais découvert toute la vérité. Eh bien, si tu le vois, tu pourras le lui dire toi-même. Non, il m'a tué. Compris, patron, terminé. Tu n'aurais pas dû le mêler dans les affaires du... Marshall Noir. En fait, Aiden était vraiment mort. C'est lui qui a pris la place, d'accord. Non, je suis pas mort. Jonathan? Hein? Bon sang. Mon costume a court-circuité. Ah, la musique est magnifique. Ah, il s'est entraîné, d'accord. Elle a fondu. Non? Ah ouais, je peux plus le péter. J'ai plus de trois bras. Pas de troisième bras, pardon. Ça va marcher comme avec un vrai. Ah, c'est Jonathan qui me l'a mis. Viens, avec un peu de pratique et un peu de calibrage, tu seras impossible à distinguer d'un vrai trois bras. Bien. Pour information, je pense que ton plan est insensé. Tu connais un autre moyen de trouver ces bâtards? Ouais, c'est dommage que ce que nous avons réussi à obtenir de ce disque, ce sont les coordonnées de l'Inferno. C'est ta faute. Les polices, avec mon palmarès, ils mettront son meurtre sur mon dos. De plus, celui qui l'a tué n'était pas du coin. La police ne le trouvera jamais. Alors on va le chercher où? J'en sais rien. Je vais juste essayer de faire autant de bruit que possible et voir si quelqu'un réagit. Il y a une raison pour laquelle Aiden est mort. Il avait découvert quelque chose d'important. Oh là là.
et télécharger les modèles idéo moteur d'Aiden dans la combinaison avec elle ferait la plupart du travail pour toi. Donc tout ce que tu as à faire, c'est de te raser la barbe. Et n'oublie pas de prendre du solar neuf une fois par mois. Je déteste les médocs. Si tu veux qu'ils te prennent pour Aiden, tu dois avoir la bonne teinte de peau. Oui, maman. Là, c'est un mur, je peux plus le casser parce que j'ai plus mon troisième bras. Bon, bien maintenant, quoi? On refond le tuto? Oui, mais il m'aime même pas de barre de vie, je pensais que c'était la fin. L'esprit d'Aiden. Jonathan! Aiden, tu es en vie? J'ai tes coordonnées. Attends. Oh non, ça se finit comme ça! Dites-moi qu'il va y avoir un 2, s'il vous plaît. On peut pas laisser le maréchal noir comme ça. Et il faut qu'il y ait tout un truc avec maintenant qu'on a le stand de comment on appelle ça, ben, je sais pas, il y a un troisième bras qui nous a poussé, je crois que c'est l'esprit de Aiden si j'ai compris.
Je m'entends sauter, marcher. Quoi, ça se finit comme ça? What? Bon. Bah voilà, apparemment ça se finit comme ça. Je suis autant déçu que vous, voire même plus. J'ai beaucoup aimé le jeu. J'espère qu'il va y avoir un 2. Ou au moins un DLC qui rajoute la fin de l'histoire. Sur ce, bah, alors, j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai adoré l'aventure. J'aurais bien aimé un petit côté. Un truc avec des primes annexes. Où je puisse. Que je puisse. Comment dire. Tu puisses. Aller chasser des mecs où tu veux et tout ça. Mais l'histoire était bien. L'histoire devenait intéressante à la fin. Et apparemment. J'espère qu'il y aura un 2, hein, parce que sinon la fin est trop con. Et puis, bah voilà. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous. Et à ciao les amis.